Bienvenue à toi, très cher investisseur. On est sur la chaîne YouTube d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, vidéo 2 sur 2 au sujet de la colocation à haut rendement sur Toulon. Donc, on va faire l'étude de cas complète, les chiffres détaillés de A à Z. Je te montre tout ça de suite. Alors, comme tu as pu le voir dans la vidéo, il s'agit d'un bien qui est situé à Toulon, dans le Var, dans le sud de la France. C'est un T4 de 63 mètres carrés qui est composé de trois chambres. L'une d'entre elles possède un balcon, un salon salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, un WC séparé, un couloir avec des rangements, ainsi qu'une cave. Donc le bien est au sixième et dernier étage de l'immeuble. C'est un immeuble en copropriété. Il y a environ 18 lots dans l'appartement. Dans l'immeuble, pardon, et donc j'ai acheté l'un de ces biens. Au niveau des dépenses que j'ai pu réaliser et les différents frais m'ont coûté cet appartement, on a eu d'abord le prix d'achat qui était de 88 500 euros, frais d'agence inclus. Alors au départ, le bien était à 95 000 euros et j'ai réussi à le négocier légèrement. Donc pour tomber sur un prix de 88 500 euros, l'agence immobilière a fait un petit geste, la propriétaire aussi, et moi aussi par rapport à mon offre de base. À cela, il faut ajouter les frais de notaire de 8 000 euros environ, ainsi que les travaux et l'ameublement pour l'appartement. Donc ces deux postes-là m'ont coûté un budget d'environ 11 000 euros. J'ai arrondi, c'était un tout petit peu moins. Mais 11 000 euros d'ameublement et de travaux. Au niveau des travaux, on a refait la cuisine, tous les sols, de l'électricité et de la plomberie dans la salle d'eau, et également quelques retouches de peinture. J'avais la chance d'avoir récupéré le bien avec des fenêtres qui étaient déjà changées, un beau PVC en double vitrage, et puis globalement, l'appartement en bon état. Donc au total, on arrive à un budget de 107 500 euros. Tout frais inclus, donc comme je vous le disais, les prix d'achat avec les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux et les meubles. Alors maintenant, au niveau de l'exploitation ou de ce que j'ai envisagé pour la location. Donc ce que je propose pour cet appartement, étant donné qu'il est situé sur Toulon, qui est une ville où il y a pas mal d'étudiants, de nouveaux quartiers qui se créent, c'était de réaliser une colocation de trois chambres avec un bail individuel. Alors une colocation sont différentes personnes qui vont habiter dans le même logement et un bail individuel, c'est-à-dire que chaque colocataire va avoir son propre bail et va pouvoir le quitter, le céder, et être remplacé par quelqu'un d'autre sans être solidaire de ce qui se passe avec les autres colocataires. Donc chaque colocataire paye directement le loyer et il a la possibilité de bénéficier de sa chambre ainsi que des parties communes. Et on fait une enveloppe globale qui inclut toutes les charges, internet, électricité, etc. Alors chaque chambre va être louée 460 euros par mois, toutes charges incluses, comme je vous le disais. Il y a deux chambres à ce tarif-là et une chambre qui sera légèrement plus chère car elle est un petit peu plus grande et elle bénéficie du balcon. Donc cette chambre-là sera à 480 euros, ce qui nous donne un total de 1 400 euros par mois. À cela, il faut enlever les dépenses qu'on a mensuellement. Les dépenses, elles vont être de 22 euros par mois pour la box Internet. Donc, comme je vous le disais, on fournit Internet. Alors, je disais Internet, mais c'est également la télévision. On a également 80 euros par mois d'électricité. Donc, on va utiliser le forfait de charge et on va payer en tant que propriétaire nous-mêmes l'abonnement et la dépense, la consommation électrique, et reporter cela dans un forfait. Et j'ai estimé à 80 euros par mois les frais d'électricité. Donc ça, c'est un petit peu empirique ou une estimation qu'il faudra affiner. Mais globalement, et de mon expérience, c'est le montant qui va convenir pour ce type de bien. On a également 80 euros par mois de charges de copropriété et 81 euros par mois de taxes foncières. Je l'ai lissé sur les 12 mois, c'est un montant de 965 euros annuels sinon. Et cela représente 263 euros par mois de dépenses en plus du crédit immobilier. Donc 1 400 euros de recettes et 263 euros par mois de dépenses mensuelles qu'on aura. Maintenant, on va parler du financement et du crédit immobilier que j'ai réussi à obtenir pour ce bien. Alors j'ai sollicité un prêt avec la BNP Paribas sur Paris.
J'ai demandé un financement à 110%, donc 107 500 euros. Si tu ne sais pas ce que c'est un financement à 110%, je t'invite à regarder la vidéo sur notre chaîne qui parle de l'emprunt à 110%. En fait, c'est le financement du bien, des frais de notaire et même des travaux. Donc la totalité, et j'ai fait aucun apport. J'ai emprunté sur 20 ans à un taux de 1,5% et une assurance de 0,10%. Donc ce prêt a été souscrit en octobre 2018. C'est un très bon taux pour cette période-là. C'est des taux qui sont très très faibles sur 20 ans. Et j'ai réussi également à avoir un différé partiel de remboursement du crédit de 1 an. Alors le différé, ça va me permettre en fait d'avoir une mensualité qui est vraiment moindre pendant une année. Et ensuite, pendant les 20 années qui suivent, une mensualité classique. Donc si on regarde le montant des mensualités, on va avoir pendant un an 96 euros par mois à régler. Puis ensuite, pendant les 20 années qui suivent, il y aura 480 euros par mois à régler. Alors si on fait le compte, au total, on va se retrouver avec des recettes, si l'on arrive à louer l'appartement complètement et qu'il est intégralement occupé, des recettes de 1400 euros par mois. On va avoir des dépenses mensuelles qui vont correspondre aux dépenses dont je vous ai parlé tout à l'heure, box, charges, taxes foncières, etc., de 263 euros par mois, auquel il faut rajouter également la mensualité du crédit de 480 euros par mois, soit 743 euros par mois. Je vous épargne la première année où le cash flow va être encore meilleur parce que j'ai le différé. On se retrouve avec un cash flow net-net de 657 euros par mois. Le cash flow, c'est la différence entre le montant des recettes et les dépenses que vous allez avoir. Le cash flow net, c'est le cash flow lorsqu'on retire les charges, et le cash flow net-net, c'est le cash flow lorsqu'on est net de charges et net d'impôts. Donc là, c'est vraiment quand je prends toutes les informations et toutes les sommes et les dépenses occasionnées par le bien, impôts, charges, etc., et bien que j'arrive à cette somme-là. C'est-à-dire que chaque mois, je vais réussir à dégager 657 euros par mois. Chaque mois, 657 euros, la moitié d'un SMIC, grâce à la location de cet appartement. Oui, ça peut paraître assez incroyable, mais avec un investissement qui n'est pas si conséquent que ça, alors 107 000 au total, une belle négociation, une bonne gestion des travaux, un ameublement juste et un marché bien ciblé, on peut réussir à vraiment dégager du cash flow, c'est-à-dire dégager de l'argent maintenant. Et chaque mois jusqu'à la fin du crédit, et encore plus quand le crédit sera terminé, pour un appartement. Alors maintenant, on va faire une petite visite des lieux. Je t'emmène voir le avant-après, quelques photos pour te rendre compte de l'appartement et de comment il était, de comment je l'ai changé. Donc ça, c'était le salon au départ, donc assez propre, le sol a changé, complètement vide par contre. Et des fenêtres double vitrage déjà installées. Il y avait une petite électricité à reprendre sur une partie qui était en goulotte apparente, mais qui n'était pas très bien fait. Et ça, c'était avant, et ça, c'est après. Donc, on a meublé de façon assez cosy, je vais me dire. Style un petit peu Indus, bois, un canapé 3 places. Vous voyez, une grande télé, de la décoration, tout pour créer le coup de cœur pour les visiteurs. Donc ça, c'était le salon. Maintenant, on va passer dans une des chambres. Alors, c'est la chambre qui a le balcon. Donc, le balcon, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'était pas très très propre. Au sol, c'était une dalle béton assez vierge, on va dire, mais pas en très bon état. Le sol également a changé. Et ça, c'était une photo avant. Et ça, c'est la photo après. Donc, un grand lit à 140 par 200 avec des coffres de rangement, une table basse, une penderie. Même maintenant, on y a mis un bureau car on avait la place. Et on a carrelé également le balcon, nettoyé un petit peu la partie de la façade qui était encrassée. Et ça rend vraiment bien. Au niveau de la cuisine, c'est là où c'est la pièce coup de cœur pour moi. Donc c'était une cuisine qui était vraiment pas bien équipée. Alors on la voit pas en entier, mais il y avait un tout petit meuble blanc vraiment bas de gamme, basique. Un carrelage au mur qui n'est ni fait ni à faire. Et on a installé une cuisine complète, des plaques à induction. La cuisine vient d'IKEA, elle ne nous a pas coûté excessivement cher, elle a été très très bien posée avec une belle crédence. On a installé également un frigo, un congélateur, un lave-linge, un four complètement neuf, des plaques à induction. Et ça donne vraiment une cuisine qui est canon, quoi.
La dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est la salle de bain. Donc elle était assez petite, peu lumineuse, il n'y avait pas de paroi de douche ou de porte de douche. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une porte de douche. Pour mettre en valeur avec cette photo, on a fait une photo avec un grand angle qui permet d'élargir. On a installé également un miroir. Et puis on a nettoyé et remis un petit peu au goût du jour le meuble qui était installé, le meuble vasque. Voilà. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Simplement pour rappeler que Investimo Performance, c'est avant tout une solution de coaching sur mesure qui te garantit de trouver un investissement locatif à 9% de rendement annuel en moins de 6 mois. Je suis Benjamin et mon collègue c'est Tim. On est tous les deux associés dans ce plan et dans ce programme pour t'aider à trouver un bien immobilier. On va te former sur tous les points qui sont mentionnés sur le flyer de droite. On te donne des réponses sous 24 heures à toutes tes questions, on t'accompagne et on te donne les checklists aussi pour réaliser ton investissement rentable. Il y a une garantie satisfait 100% remboursée si tu n'es pas content de notre prestation. Et puis, si tu souhaites continuer à suivre nos vidéos, eh bien, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube Investimo Performance. Et si tu veux plus de renseignements, tu visites notre site web www.investimoperformance.fr. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu cliques sur j'aime en bas de cette vidéo, tu t'abonnes à notre chaîne et je te dis ciao!